À Scolaire Le Monde. Nous sommes à la galerie de la Route des Arts pour une exposition des élèves de la polyvalente Lavigne. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un projet sur le thème des desserts? Alors, le thème des desserts, c'est un projet bonbon. En plus, en mode COVID, je trouvais que l'ensemble des élèves de l'école polyvalente Lavigne méritait un projet semblable. Habituellement, le projet des bonbons, ben en fait, le projet des desserts, c'est plus pour les groupes optionnels, donc de la secondaire 1 à la secondaire 5, mais cette année, ce sont tous les élèves là, qui ont passé par ce beau thème-là. Combien de temps ça peut prendre pour faire une œuvre comme celle-ci? Alors, les œuvres varient, que ce soit du 2D ou 3 dimensions. La plupart ont investi là, un bon 6, 7, 8 heures chacun pour faire ce genre de projet-là, que ce soit du 2 dimensions ou du 3 dimensions. Donc, à la peinture, plasticine, etc. Quels matériaux les élèves pouvaient-ils utiliser? Alors, c'est une bonne question. Alors, dans un premier temps, les élèves ont utilisé du styromousse pour les projets en 3 dimensions, entre autres. On utilise du styromousse que j'ai récupéré chez des contracteurs. Alors, et à partir de ça, on prend de la plasticine qui ne durcit pas, on couvre le tout et on met du gesso. Et par la suite, ça s'appelle un après pour les parents. Et puis après, on vient mettre de la peinture acrylique pour les autres projets. C'est-à-dire ce que vous allez voir sur les murs. Ce sont des projets qui ont été faits soit à l'encre, soit à la peinture à l'eau et crayon à la mine, les variables entre les tons, les gris pâles, les gris moyens, ainsi que les gris foncés. Merci. Est-ce que c'est difficile de faire un projet sur les desserts puis d'avoir tout le temps le goût d'en manger? Alors, c'est certain qu'on sait que le dessert, c'est pas nécessairement bon pour la santé, mais ça fait du bien de voir de la couleur pour les yeux. Ça fait du bien de voir les projets que les enfants. Je veux dire, il n'y a pas un enfant puis il n'y a pas un parent qui n'aime pas le dessert. Alors, c'est pas si difficile de. En fait, on a créé une ambiance réaliste. C'est comme quand vous allez au restaurant. Ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Mais quand tu choisis ton dessert, tu le choisis parce que, hein, soit que tu aimes le chocolat ou soit que tu aimes la crème glacée, soit que tu aimes le fondant, mais les élèves ont choisi leur dessert en fonction de leur goût préféré. En période de COVID, il y a beaucoup de travail à distance, mais est-ce que ça a été dur de faire ce projet-là? En fait, on allait avec deux variables. Donc, il y avait un projet qui était fait à l'école et il y avait un projet qui était fait à la maison. Donc, le projet en lien avec le dessert, c'est celui qui a été fait à l'école. Donc, si on étale, vous savez, hein, les groupes du deuxième cycle, là, tous les groupes étaient en alternance. Donc, une journée sur deux, on les voit. Donc, on poursuit ce projet-là à l'école. Donc, la réalité est quand même bien. C'est sûr qu'il y a des élèves qui m'ont demandé d'aller travailler à la maison, de l'apporter à la maison, puis j'ai accepté parce que j'avais confiance, puis le projet, ils l'avaient choisi. Donc, ils étaient motivés pour le faire. Merci. Est-ce qu'un élève qui s'inscrit en art plastique à la polyvalente doit déjà avoir un talent en art?
Oh que non. Moi, je tiens à vous dire que c'est comme une recette, le département des arts, que ce soit l'art plastique, que ce soit la danse, la musique ou l'art dramatique, je vous le dis, mais pour les arts plastiques, c'est comme une recette que tu suis dans un petit cahier. C'est la même chose. Alors, l'élève va être en mesure de réussir en tout temps son travail. Je tiens à vous sécuriser pour tous ceux et celles qui vont dans les arts plastiques l'an prochain. C'est quoi l'art pour vous? Oh, l'art, c'est quoi pour moi? L'art, c'est les émotions. C'est une drive d'émotions qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un élément qui fait en sorte qu'on peut s'exprimer. C'est un moyen d'expression. C'est extrêmement important de connecter son cœur et sa tête pour pouvoir faire des arts, peu importe l'art qui existe. Surtout en mode COVID, je trouve que c'est extrêmement important de faire quelque chose qui est beau aux yeux, qu'on entend bien avec les oreilles, qu'on est capable de bien sentir. Alors, j'y vais avec les cinq sens. Moi, pour moi, le département des arts, les arts, c'est une émotion qui se partage à l'intérieur de nous, puis qu'à travers le monde, c'est le meilleur outil de communication. Pour terminer, c'est quoi votre dessert préféré dans la vie puis dans l'exposition? C'est très, très bon. Mon dessert préféré, je vous avoue, c'est ici, le café là, avec une petite touche de crème fouettée, là, ça fait bien du bien. Un bon le latte, là, en vieillissant, on change de goût. Je te dirais que oui, j'aime beaucoup tout ce qui est crémeux. J'ai pas la crème glacée l'été. L'hiver, ça va être quelque chose là, à base de sucre à la crème, je te dirais. Puis le dessert ici préféré, écoutez, c'est très, très difficile parce que tous les desserts, les élèves l'ont fait avec amour, l'ont fait avec présence. J'ai pas de préférence. C'est certain que, tu sais, je veux dire, plus c'est coloré, plus c'est tentant, mais sachez que... on devient un enfant, même si on est un adulte, en regardant ces desserts-là. Donc, merci beaucoup. Mais admettons que les élèves vont pas regarder ça, parce qu'on peut savoir le choix. C'est difficile comme maman, comme madame, comme enseignante de choisir, parce que je trouve que tous les élèves ont réussi le dessert. J'ai aucun élève en échec. Donc, c'est partagé. Tu sais, c'est sûr que toi, tu vas me dire, bien, moi, j'aime mieux le chocolat. Mais moi, Mme France, elle n'aime pas le chocolat. Fait que c'est sûr, je ne choisirais pas un dessert de chocolat, là, avec un coulis de chocolat crémeux, là. Donc, oui, la tarte, elle est très belle. Vous allez voir un cornet de crème glacée là-bas qui est fait de façon remarquable. Les bonbons ici, là, c'est beau. La tartelette ici, là, qu'on voit là, au bleuet, là, c'est fait. On dirait que c'est vrai. Oui, exactement. Je peux vous dire que l'ensemble des élèves ont mis beaucoup, beaucoup d'amour puis beaucoup de temps. Et ils savaient que c'était un sujet que... partout à travers le monde, ça vient nous chercher. Cette semaine à Scola le Monde, on analyse des régurgies de hibou. Le but principal, c'est de réussir à reformer le squelette de la proie. Avec nos outils, on peut ouvrir... Et quand on Oh, c'est dégueulasse. On la met dans le bouchon. Oh, j'ai pas vu tout ça. Oh, on a un os, on a un bon. En ce moment, on fait un projet. Fait qu'on est avec le père d'Agathe, avec Émile. On fait un zoom en ce moment. Puis le but, c'était de... En fait, à l'intérieur de ça, c'était le vomi d'un effraie des clochers. C'est comme un peu un hibou. Puis donc là, on a récupéré comme ici. On a tout défait la petite boule qui se trouvait à l'intérieur. Puis là, ça fait... On a retiré comme tous les poils, puis on a pu récupérer plein d'os. Donc ça, c'était ce que l'effraie avait mangé. Puis il n'arrivait pas à le manger comme du monde, je sais pas comment expliquer. Ouais, à le digérer. Donc,
Ben, un rouge. Ouais, parce que ses dents sont assez comme vers le bas, puis avec les autres images qu'on a pu observer, ben, c'est celui qui ressemblait le plus en rapport à un rongeur. Comment vous avez réagi quand vous avez su que c'était ça la tâche que vous aviez à faire? J'ai eu vraiment très mal au cœur. Au début, on pensait que ça allait être liquide, puis que on pensait pas que ça allait être nécessairement genre poilu, puis tout, puis on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on allait trouver, parce que on croyait pas qu'on allait comme pouvoir reconstituer tout un... Ouais, t'es un. C'est ça. Donc, tu sais, c'était assez difficile de trouver plein de petits os. Mais, ouais, c'était quand même le fun. Je pense que j'aimerais ça, faire ça, mais pas nécessairement avec le vomi d'un animal. Mais plus, exemple, je sais pas, dans du sable ou des affaires comme ça. Fait que. Ouais, c'est quand même cool comme projet, mais on s'y attendait pas vraiment. Je le referai pas. Parce que c'est comme une dent, quelque chose. Mais regarde, il y a comme des affaires ici. Quoi qu'il faut remettre ensemble les autres squelettes par la suite. Qui savent déjà ce que c'est? J'ai d'enlever un gros morceau. Très étonné. Si jamais il y a quelqu'un qui trouve un crâne, oui? Venez me le montrer. Oui, bien. Très beau. Donc, en fait, quand on a des belles pièces d'os comme ça, là, oui? On peut essayer de bien les nettoyer doucement avec sa pince. Alors, c'est quoi? On a pas de temps. Non, mais on que je suis le plus étonnée, c'est que j'ai pas vomi. Oh, c'est ça la tête de notre rongeur. Oui? Notre rongeur à nous, il a mangé un autre rongeur, fait qu'on a deux crânes. Là, c'est le crâne de notre rongeur qui s'est fait manger par le hibou. Fait que là, c'est ça. Mini. L'autre, il est tout mini. Marie, on a deux crânes, un minuscule. Je pense qu'on a un crâne complet, en fait. On se rend compte qu'il n'est pas capable de digérer le poil, hein? Parce que je pense que c'est un rongeur. Ça, c'est les dents. Ouais, parce que les gars, ça ressemble à celui du rongeur. Ça, c'est le en-dessous, avec la dent, je pense. Les dents. C'est avec la... Mais il y a un autre os, là, que j'essaie de... Toi, tu veux manger du... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être dans mes doigts, genre. Il y a juste un morceau que... Mais comme nous, là, on a comme tous les os, sauf qu'il y en a de plus de trop. On dirait qu'il y a comme mangé un autre animal. Donc, de qui tu interprètes aujourd'hui, Lilia? Marc Favreau, qui est dans son rôle de Sol. Et le titre du petit sketch, ça s'appelle L'Adversité. OK. Mais qui veut dire l'université. OK. Mais il change un peu beaucoup. Beaucoup. Oui. Un peu beaucoup. Mais bon. Wow. Vas-y, ma belle. Pauvre, pauvre petit moi. Je n'ai jamais été instructionné. C'est pas ma faute. Quand j'étais tout petit, j'ai suivi seulement les cours de récréation. Et après, il paraît que l'école, c'est secondaire. Alors... Et après, j'ai même pas eu la chance d'aller à l'adversité. C'est elle qui a venu en moi. Quand même, j'aurais aimé ça. J'aurais été vermouilleux. Je me voyais entrer à l'adversité. Oui, attends. Premièrement, j'aurais pensé l'ex-gamin d'entrer. Il m'aurait laissé passer l'ex-gamin, c'est sûr. Parce que j'aurais été gentille. Je serais pas arrivée là en faisant mon prêt de scolarité. Même. Et après, j'aurais travaillé fort. Peut-être j'aurais été des chirurgiens. Oui, oui, je me vois toujours accompagnée de mille sirènes épidermiques pour piquer la curiosité. Ou peut-être j'aurais été un dentiste, mais pas un dentiste comme les autres. J'aurais travaillé quand j'aurais voulu. J'aurais été un indépendantiste. J'en aurais une dent sur 10. En tout cas, en sortant de là, j'aurais été quelqu'un. Peut-être un grand homme, peut-être un homme grand, peut-être un majordome. Wow! Je vais faire une vidéo. Il n'y a rien de plus misérable qu'un homme. D'un vidéo d'un homme qui pense que c'est une photo. Des fois, je parle avec Charlotte Cardin
Et tu te dis, j'avais 15 ans de moins, 7 pieds de plus. Par contre, des fois tu parles avec France Castel. Si j'avais 15 ans de moins et 7 pieds de plus. Et des fois tu vois le petit frère et tu te dis, j'ai le goût d'en châtier un des deux. Et des fois, t'entends ça souvent, ok? Quelqu'un qui oublie de prendre sa retraite. Des fois. Jamais, jamais, jamais. Non. Oh, c'est bon. Moi, j'ai demandé ma femme en mariage dans un Saint-Hubert. Je sais que c'est quétaine, mais j'aime ça le poulet. Je m'en rappelle encore, ok? Ma femme est dans la banquette, elle est assise devant moi. Puis là, je me dis dans ma tête, demande-la en mariage, là, live, elle va triper, ça va être le fun. Mais mon plan s'arrête là. Tu sais, j'avais pas pensé à mettre la bague dans sauce ou dans salade de choux. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée, je suis allée voir le clown de la section des enfants, puis j'y ai dit, tu me ferais-tu une bague en balloon? Parce que j'aimerais ça demander ma blonde en mariage. Il me dit, pas de problème, le gros. Je suis dans l'allée. Il y a à peu près 200 personnes dans le restaurant. Pis, je trouve que ça manque de punch. Moi, je suis une humoriste. J'aime ça quand ça punch. Fait que pour puncher, je prends deux frites puis je mets sac dans le nez. Oh. J'arrive devant ma blonde. Je me rappellerai toujours de sa face. Je la regarde dans les yeux. Puis je me lance. Veux-tu m'épouser? Tu sais, il y a un fret pas le fun. Ma blonde a l'air de rien. Tu sais, j'avais dit que j'allais aux toilettes. Puis elle savait ce que je voulais. Mais elle trouvait ça drôle que 200 personnes dans le restaurant fassent. Oh! J'étais mal à l'aise, je savais pas quoi faire. Fait que je me suis reculée, j'ai remis la ballonne dans mon dos. J'ai repris mon courage à deux mains. Je me suis avancée et j'ai dit, veux-tu m'épouser? S'il vous plaît! Elle dit oui, mais je me suis rassis puis il a mangé ça. Non, il a mangé les frites qui étaient là. Oh. Merci! Bravo! Je m'ennuie de mon meilleur ami. Parler sur Skype, c'est plus assez. Je m'ennuie de son odeur de Subway. Moi, sans toi. C'est comme un mal sentimé. La vie n'a plus de sens. BFF à distance. J'ai commencé à boire de l'essence. BFF à distance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir. J'ai une question. Non! 16 profs pour un seul élève turbulent. Quand même pas si pire. Je veux dire, c'est le contraire que vous vivez à chaque jour. Quoique 16 élèves, c'est quand même une petite classe. Je veux dire, vous êtes tellement rendu d'élèves par classe, je pense que ça n'a juste plus de bon sens. Je pense même que la première période, c'est juste pour prendre les présents, ça, tu sais. Surtout avec des noms de genre Eve, Lune, Soleil, Dumas, Elliot, Mathis, Tremblay. Ah! Ah, bon, ben c'est tout le temps qu'on avait, on se voit demain pour l'examen. Une autre chose qui est compliquée aussi au primaire, c'est d'aller aux toilettes. Je sais pas pourquoi, faut genre que tu lèves la main, faut que tu négocies avec ton prof. Faut que tu te donnes une bonne raison parce que ça a l'air que, ben, moi, me pisser dessus, c'est pas assez. Moi, j'ai jamais vraiment compris comment on enseignait les maths aux enfants.
Les problèmes de maths, c'est tout le temps genre Julie habite Belourdeau et dans une quête à Kevin. Moi, je suis comme, qu'est-ce que Julie fait avec 8 Belourdeau? C'est une très mauvaise alimentation, là. C'est pas un problème de maths, là, c'est un problème de santé mentale. Hey, salut, ça va? Oui! Bon, pas. Est-ce que quelqu'un ici parle anglais? Yes! Oui. Yes! Yes, yes one. Est-ce que ça arrive un peu que quelqu'un français parle anglais, ça fait mal à les oreilles un petit peu? Oui. Oui. Des fois? Oui. Ouais. Non. Comme l'autre fois, j'étais avec mon ami, on a joué à un jeu Among Us. Puis, c'était lui l'imposteur. Et j'étais comme, yeah, I'm the imposter. Et j'ai dit, tu veux dire imposter? Dit, c'est quoi j'ai dit, imposter? J'ai dit, d'accord, imposter. C'est ça, imposter. D'accord. C'est qui d'autre les imposters? Ben, c'est moi, vert, bleu. We are the three imposters. Tu veux dire three imposters? C'est ça quoi j'ai dit? Three imposters! Les personnes qui ont dit ça là, j'ai dit. C'est three! Three! Oh, laisse faire! On a fini le jeu et j'ai dit, on va rejoindre Thursday pour rejouer. D'accord, Thursday. Thursday, pas Tuesday. C'est ça, Thursday. On va rejoindre Thursday. C'est Thursday. Thursday. Wow! Ding dong! Quand vous rapportez à votre voisin l'outil que vous lui avez emprunté, il y a une logique incontournable. Si l'outil n'est pas dans le même état que quand il est sorti de chez lui, vous ne sortirez pas dans le même état vous non plus. ça... C'est à toi cette perceuse? Non, c'est à notre voisin Gertrude. On dirait que tu l'as fait un petit peu forcée, hein? Non, elle est faite pour ça. Mais moi, je te dis que tu l'as fait trop forcée. Tu connais pas ça. Et moi, oui. Voilà! Mais ça peut arriver. Il y a un petit interrupteur rouge à l'intérieur. T'as arrêté les gens avec cette face noire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais chercher l'interrupteur rouge. Tu les veux rouler dans le couloir. Pourrais-tu aller appuyer dessus? S'il te plaît. Non, à place, regarde la notice, c'est rempli de solutions et de... oui. Ding dong! Quand vous rapportez à votre voisin l'outil que vous lui avez apporté, emprunté, il y a une logique incontournable. Si l'outil n'est pas dans le même état que quand il est sorti de chez lui, vous ne sortirez pas dans le même état vous non plus. Salut! C'est à toi cette personne? C'est à notre voisin Gertrude. On dirait que tu l'as fait un petit peu forcée. Non, non, elle est faite pour ça. Mais moi, je te dis que tu l'as fait trop forcée. Toi, tu ne connais pas ça et moi, oui. Boum! Voilà! Mais ça peut arriver. Il y a un petit interrupteur rouge à l'intérieur. T'as l'air intelligent avec cette face noire. Qu'est-ce que tu vas foutre maintenant? Je vais chercher l'interrupteur rouge. Tu les veux rouler dans le couloir. Pourrais-tu aller appuyer dessus, s'il vous plaît? Non. À place, regarde la notice. C'est rempli de solutions. Je ne crois pas que c'est si grave que ça. Vous avez forcé la perceuse et le moteur a éclaté. Solution, siffler comme un coq. C'est ce que je fais. Fui. Mais elle est cassée, la perceuse à Gertrude. Je comprends pas qu'elle soit cassée, hein? Mais qui l'a cassée, hein? Oh là, ça va! Là. Mais c'est pas tout! Il faut lui en acheter une neuve! J'ai pas d'argent, moi. Pourquoi tu penses que j'en emprunte une? C'est quoi le rapport? Ben, quand on n'a pas d'argent, on... Ding dong! Excusez-moi, pouvez-vous me donner de la monnaie ou bien prêter une perceuse? Pour
pour les 15 ans de Scolaire Le Monde, on va vous présenter un ancien reportage. Bob Hartley, un entraîneur de la région, a récemment gagné le championnat de la Russie. Il y a 6 ans, on l'a interviewé. On écoute ça. Étiez-vous un bon joueur de hockey lorsque vous étiez jeune? Ah, j'ai commencé, j'étais un joueur d'avant. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai débuté comme gardien de but. C'est arrivé une journée, un gardien de but qui ne s'est pas présenté. L'autre gardien était malade, donc on avait besoin d'un gardien. Et puis l'entraîneur m'a demandé si je voulais devenir gardien de but. Et puis ça a bien été. Donc c'est là réellement que je pense que j'étais un meilleur gardien de but qu'un joueur d'avant. Donc j'ai joué mon hockey mineur à Hawkesbury. Ensuite, j'ai joué junior avec les Hawks. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous rêviez de venir dans la Ligue nationale? Oui, aucun doute. J'ai grandi à voir les Guy Lafleur, les Jacques Lemaire, les Ken Dryden, les Canadiens gagner des Coupes Stanley. Ensuite, les Nordiques sont apparus avec les frères Stachny, Michel Goulet. Donc, j'aimais vraiment les deux équipes et puis c'était mon rêve. J'ai gagné beaucoup de Coupes Stanley, autant dans les rues que sur les patinoires extérieures. Et on aimait, entre amis, jouer puis prétendre qu'on jouait pour la Coupe Stanley. Comment ça s'est passé votre arrivée dans la Ligue nationale avec l'Avalanche du Colorado? Mais j'ai passé 5 ans avant dans la Ligue américaine avec l'organisation des Nordiques pendant 2 ans. Ensuite, les Nordiques ont déménagé au Colorado, donc on est devenu la filiale de l'Avalanche. J'ai passé 3 ans avec les As de Cornwall et ensuite 2 ans à Hershey avec les Bears. Et puis, c'est là que Pierre Lacroix m'a donné le coup de téléphone qu'il voulait me rencontrer au Colorado puis il voulait que je devienne l'entraîneur de l'Avalanche. Est-ce que votre saison 2001, ça a été votre plus belle saison quand vous avez gagné la Coupe Stanley? Oui, aucun doute. C'est le rêve de tout petit gars de gagner une Coupe Stanley avec les Patrick Roy, les Joe Sakic, les Rob Blake, Raymond Bourque. L'histoire de notre Coupe Stanley était toute centrée autour de Raymond Bourque. On savait qu'il était pour se retirer du hockey. Donc, gagner la Coupe Stanley après 22 ans de carrière et surtout la gagner à son dernier match, je pense que c'était quelque chose de très spécial pour lui et en même temps très spécial pour toute l'organisation. Quel sentiment avez-vous eu en remportant la Coupe Stanley à Hawkesbury, votre ville natale? Ah, mais ça, ramener la Coupe chez nous, la partager avec les jeunes du hockey mineur, la partager avec ma famille, avec mes amis. J'avais mon tournoi de golf dans ces années-là. J'avais aussi mon école de hockey. Donc, je l'ai partagé durant 3 jours avec mes amis. J'ai été à la pêche aussi sur la rivière des Outaouais avec la Coupe Stanley. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Même il y a eu un gros party ici directement sur le lac. Il y a eu un feu d'artifice. On a fait une parade. Donc, c'est des choses que tu n'oublies pas. Comment vous décrirez Bob Hartley comme entraîneur? Bien, je pense que lorsque tu es entraîneur, tu dois en premier d'être un leader pour ton groupe parce que tu es un peu le porte-drapeau. C'est toi qui t'adresses aux médias, c'est toi qui te dois dresser les plans de match, faire part de tes décisions aux joueurs. Donc, je pense être leader et être un excellent communicateur, c'est vraiment important. C'est quelque chose où que les joueurs ont le droit et ont besoin de savoir un peu ce que tu t'attends d'eux et puis en même temps, qu'est-ce qui se passe autour de l'équipe. Donc, là-dessus, je pense que ces deux qualités à quoi je pense que je m'attache beaucoup, que je pense que sont très importantes pour un entraîneur. Pensez-vous que vous avez changé votre façon de faire en tant qu'entraîneur avec les années? Je pense qu'on s'améliore toujours. Je pense que c'est pas l'entraîneur qui change, c'est toujours la personne. Et on est jeune, on grandit, on devient adolescent, on devient adulte, mais même rendu à l'âge adulte, c'est quoi l'âge adulte? Est-ce que c'est 18 ans? C'est 20 ans? Ensuite, j'ai débuté à être entraîneur dans la Ligue nationale à 38 ans. Et puis aujourd'hui, j'en ai 56, donc j'ai fait quand même un bon bout de chemin. Mais on apprend beaucoup de nos expériences, de nos bons coups, de nos mauvais coups. Mais il reste que c'est la chose la plus importante. Puis surtout, le fait d'être honnête, ça, c'est très important. Lorsque tu prends une décision, tu dois la prendre pour le bien de l'équipe. Et puis tu dois prendre... À ce moment-là, je pense que la décision la meilleure pour l'équipe, la plus honnête aussi pour les joueurs. Et puis à partir de là, bien, même si on est entraîneur, bien, on n'est pas toujours dans le mille, mais il reste qu'on fait de notre mieux.